Il y a un homme. Donc on va tester ça. Là, tu viens, viens, bouge. Ah, il y a un mode multijoueur même. Campagne. Premier. Voilà, putain, t'as la dalle. C'est à part. Mon île de sauvetage m'a sauvé la vie, j'ai bien peur que les autres n'aient pas eu la même chose que moi. Le jeu se mettra parfois en pause, vous donnera quelques conseils. Appuyez sur tab. Lol, mais putain, mais. Des objets. L'objectif en cours dans cette fenêtre. OMG. OMG quoi. Bah non, non. Module de sauvetage en question. WASD pour vous déplacer, alors déjà ça, on va voir si on peut le modifier. Non, non, on se barre. Mon dieu quoi. Du coup, jeter un objet devient W. Et. Attends, avant de relancer, je vais téléporter, je vais vous trouver. Et du coup, arme suivante devient. Z. J'ai vu ça. Vous verrez si vous voulez. Ah non, non, on s'en va. On a fait la sens ensemble. J'ai plus de la gueule, je vais te rien. Je suis chaud là. Faut que ce coup-ci je m'a trompé. C'est. Faut que ce coup-ci se connecte. C'est ultra chaud. Je suis chaud pour faire. Allez à gauche. Il va changer d'arme. Qui devient Q. Arme suivante qui devient A. Voilà. Je pense que là c'est bon. Libérer le curseur A. Si tu veux relancer, tu peux. Ficher la map. C'est bon. Ok. Hey, salut Kichou. Salut Ligne d'oreille. Il lance, oui, sur les premiers qui arrivent, oui, Kichou, il lance les compteurs en fait. Puis après, il va les relancer. D'ailleurs, tu fais bien de lui faire penser, il fallait que je les diminue parce qu'ils sont trop courants. Je reviens. Il repasse trop souvent. Concept bot. Nous repasse ouais, la même. Ça frise le spam après. Tac. Arrive. Ça faut que ça reste. Voilà. J'enregistre tout ça. On va faire une update. Et puis ça va être bon. Salut Anthony! Allô? Monsieur? Mon concept bot est trop après. C'est quoi ce Discord et les règles qui réapparaissent? Quoi? Et là, il a mis tout ce qu'on a. On va faire un imprime écran. Sur TS, sans la permission. On va faire un imprime écran et puis on va lui trouver. J'arrive. On va l'envoyer à The Concepteur qui verra ce qu'il peut en faire.
Allez, ça reste dans la zone, donc. Voilà. Bon. Hop, c'est on y retourne. Il habite où, Onisium? Hop. Utiliser WASD. Ouh, ouh. Il était à Nancy avant, non? Il y a peut-être quelque chose d'utile dans les restes. Oui, c'est vrai que maintenant, il habite à Nancy. Votre inventaire est à gauche. J'ai placé les plaques de fer dedans. Oh, mais, ça reste dans la zone entre Strasbourg et Nancy. Ah, cool, c'est les mêmes raccourcis que dans Don't Starve. Nice. C'est quoi ce jeu là? C'est Factorio. Ah oui, Factorio. Ouvre l'interface du joueur à l'autre. Orange. Sur la droite, il y a vos plans. Ils ont une IP changeante. Un clic gauche sur un plan fabrique l'objet indiqué. Ok. Le nombre de plans indique le nombre de fois qu'il peut être utilisé avec vos ressources actuelles. Donc actuellement, je peux fabriquer 2 tiges d'acier et 2 pioches. Sachant qu'une pioche... 8 tiges d'acier et 2 pioches. Une pioche, c'est 2 tiges d'acier et 3 plaques. Mais par exemple, quand vous survolez le plan, vous pourrez voir les ingrédients. Créer une hache en fer. Si je clique là, alors que j'ai pas de tige, comment il va faire? Les produits intermédiaires sont assemblés automatiquement. Oh, c'est cool. Donc il fait la tige tout seul et il me fait le truc ensuite. Une hache en fer a été appelée à votre emplacement. Ah, il y a pas de tank. Comment on referme ça? Ah, bah voilà. Apparemment, il y a plein d'épaisse. Ok, cela ressemble à une minerai de fer. Approchez-vous du minerai de fer. Passez le curseur dessus, un rectangle jaune apparaît. Quand vous survolez une entité, des détails utiles apparaissent dans l'angle supérieur droit, là. Et au fait, tu passes à la laverie? Demain? Non, c'est mort, j'ai fait le ménage aujourd'hui. Demain? Le brûler. Quand vous survolez une entité, des détails utiles apparaissent. Tu peux y aller en rentrant, toi, demain, ça. Mais t'as du linge à déposer? Toi? Non. Tu vas le faire là-bas? Ouais. Ah, il faut maintenir le bouton. Sinon, ça ne marche pas. Ah, bah, je faisais mon linge. Si seulement je pouvais faire fondre ce fer quelque part. Créer un four en pierre. Appuyez sur E, regardez la recette. Ah, ça m'arrête de regarder ma recette. Alors, briques en pierre, four en pierre. Il faut 0 à 5 pierres. Ok. Ça tombe bien, elles sont pile de l'autre côté. C'est chouette là, quand même. Un coup, j'en récolte 4, 5... Ah non, c'est le maximum que j'ai récolté pendant ce coup-là. Et si je fais ça... Ah, donc c'est ce que j'ai dans mon inventaire. Ça, c'est cool, c'est pratique. Ça te dit à combien t'en es. Du coup, je vois plus rien dans le chat. Vous parlez encore? Ou pas? Ah ouais, c'est bon. Merci, Comet. Bon, faut peut-être que j'arrête de creuser des trucs. Hop, bim, un four en pierre. Les choses que vous pouvez construire vont dans votre barre d'action. Sélectionnez le four en pierre, posez-le sur le sol en appuyant sur le bouton gauche de la souris. Bon, attends, faut que je ferme mon inventaire. Ouvrez le four. Insérez le minerai dans la case ressources. Il faut mettre du combustible dans le four en pierre. Du charbon de bois devrait faire l'affaire. Bien. Charbon. De bois, charbon de bois, donc il faut que je coupe du bois, je suppose. Non. Comment je fais pour faire du charbon de bois? C'est du charbon tout court, peut-être. Parce que pour faire cuire. Ah cool, non ça marche. Fondre le minerai pour en faire des plaques de fer. Prenez des plaques de fer créées par le four en pierre. Oui. Créez une foreuse thermique. Foreuse thermique. Il me faut 3 engrenages. Pas assez d'ingrédients. Qu'est-ce qui me manque? Un four en pierre, 3 plaques de fer.
Trois engrenages. Ah, je manquais de plaques de fer parce que je vais utiliser mes plaques de fer. Salut, Kakash! Je recommence à miner. Tu voulais aller tester? On me l'a offert. Il a l'air chouette. On est au tout début du tutoriel, donc tu vas pouvoir en voir plus. Tout ce que tu veux en voir. Alors, mettons si je fais comme ça et que je remets 10 minerais de fer là. Je pense que je dois pouvoir mettre du charbon tout simple, non, en carburant. Ça serait étonnant que je puisse pas. Ah, ma pioche, elle a une durabilité bien. Elle va être terminée. Ça a l'air de marcher, c'est cool. C'est cool. Et donc ma foreuse thermique. Si je ramasse tout ça. C'est cool que ce soit les mêmes raccourcis que sur Don't Starve. Ça me facilite la vie. Hop, une foreuse thermique. Elle apparaît ici. Placer la foreuse à l'endroit, à un endroit où il y a des ressources. Et alors, j'ai vu dans une vidéo, je triche, que là, si je fais comme ça, ah, ça marche pas pour les le fer. Je sais pas comment on peut faire pivoter le truc. Bon bref, on s'en fout, on va tester comme ça déjà. Donc par exemple... Ah regardez là, il y a écrit combien de ressources ça va rapporter. 1000. C'est pas mal 1000. 2000. C'est important de choisir l'endroit où on se pose. 2009. Bim. Insérer du combustible. Eh ben le charbon, ça marche? Oui. Alors, j'insère du charbon pour extraire du charbon. Je suis pas sûre que ça soit pote. Ah si, c'est rentable. Les foreuses thermiques minent des ressources et les fait sortir devant elles. Ramasser la ressource minée par la foreuse. J'arrive pas à ramasser. Ah, là. Appuyez sur F en vous tenant près d'elle. Voilà. Créer un coffre en bois. Ah, elle s'arrête de faire tant que j'ai pas rien ramassé le truc. J'ai plus de bois, j'ai tout utilisé tout à l'heure. Je vais regarder si ça repartait de zéro ou pas. Je suis à la main. J'ai cassé ma hache. Alors, coffre en bois. Touk. À la sortie de la foreuse. Les ressources sont maintenant envoyées dans le coffre en bois. Parfait. 3 minerais de fer. Ah mais c'est pas du fer, c'est du charbon. Bon, je savais pas moi qu'il fallait mettre du fer. Nous allons aller inspecter un petit peu les environs. Victoire ! Voilà. On dirait un site de minage abandonné. Je me demande à quoi sert ce bras robotique. Cette machine n'a plus de combustible. Voilà l'interface de cette machine. Bouton gauche. Bras robotisé thermique. C'est un bras robotisé thermique. Il prend des objets en face de lui et les dépose derrière.
peux prendre et déposer des objets entre les différentes machines. D'accord. Donc il les prend là et il les met dans le coffre en bois. Il y a probablement quelque chose qui peut servir. Oui, c'est moi qu'on puisse dire. Un pistolet, des chargeurs, du tapis roulant, un autre bras robotisé et du charbon. Et du charbon qui s'accumule. Si des ennemis sont à portée, vous pouvez leur tirer dessus en maintenant espace. L'ennemi le plus proche sera ciblé. Ils ont du sang violet, les bestioles. Mettre la production en route pour me préparer à les recevoir. Deuxième bras robotisé est à l'envers. Ah. Utilisez R pour changer l'orientation de ceux que vous voulez placer. R. Moi aussi. R. Ça marche! Alléluia! Et ensuite. Laisse-moi tranquille. Non, non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Parce qu'après cette instance, moi je vais arrêter. Donc. Ça me fatigue, hein. Construisez les machines suivantes: forêt thermique et four en pierre. Voilà. Ah, lui il a pas d'énergie. Il faut du charbon. Hop. Ah, je peux me mettre moi-même sur le truc pour... Voilà. Le four en pierre, les fourreuses thermiques qui travaillent. Ok, très bien. Donc 10 fourreuses thermiques. Et 5 fours en pierre. Il va me manquer de la pierre que je vais aller miner moi-même, je suppose. Et pour mes fourreuses thermiques, il me manque beaucoup de pierre et beaucoup de fer. Ah bien. Donc beaucoup de pierre et beaucoup de fer. Ici, mon dieu. Ici, ça s'accumule de trop en fait. Faut que je fasse. Ah, mais j'ai un four. Ah non, j'ai pas de four. Ça va trop vite. Il est trop lent, mais... Ah, ça se passe. La pierre, elle est là. Hey, salut Zent. Je me soigne petit à petit, vraisemblablement. Je devrais utiliser une fourreuse thermique pour le faire à ma place, mais j'en ai pas encore de fourreuse thermique. Alors, tu travailles et tu t'es. Bonsoir, bienvenue. 17, 18, 19 et 20. Alors, je veux fabriquer. Je sais pas ce qu'il fait. Là, une fourreuse thermique. Il me manque du métal. Pour le métal, je vais le trouver là. Voilà. Oh, c'est lourd, sérieux. Voilà. Donc on va faire 3 fourreuses thermiques. Il me faut encore 5 fours en pierre derrière, donc re de la pierre. Et re des... Ultra lourd. Putain, on dit merde. 3 fours thermiques. J'ai hâte de ta division la semaine prochaine. Là. Et un four en pierre. La division. Un four en pierre. C'est un MMOFS. De pierre. Donc par exemple, si je le place. Ouais, disons que c'est super rude. Et comme ça, après je mets ça genre
comme ça. Je vais chercher ici du charbon que je mets là et bim, au boulot. Par contre, il faut que je mette aussi du charbon dans le bras. Voilà. Il en manque du charbon à mettre ici, c'est ça? Ce qui est tout à l'heure? Et oui. Hop. Alors là, il y en a 7 déjà. On remettra après. Puisqu'on va remettre une fourreuse. Suis en full lag et je sais pas comment. Si je fais une fourreuse. Bah, vas-y, tank. Allez. Ici. Normalement, je vais et une autre. Là. Non. Et non. En fait, il faut la faire comme ça. Chusesse. Parce que si je la mets comme ça, elle met son charbon directos dans la voisine. Tu souvent comme ça. Hein. Et du coup, ça s'auto-alimente. Oui. Parce que... Il y a plus des premiers. Hein. Tac. Bon, j'ai envie de dire tout à l'heure. Ça fonctionne avec l'autre. Ça, c'est drôlement bien. Salut Gorx, t'as vu ça? Ça y est, je le tente. Finalement, je l'ai récupéré, j'ai regardé quelques trucs. Je me suis dit que ça allait me plaire. Et donc, je suis partie. Alors, il me faut un tuyau là, pour mettre là. Parce que sinon, tout est par terre. Parce que j'en ai là. Je suis CS. Salut man, je suis CS. Ouais, parfait. Donc là, bim, ça carbure. Ici, je peux ramasser ça et le mettre là-dedans. Voilà. Ici, il y a des bras mécaniques qui retirent tout pour les mettre dans les fours. Enfin, on va mettre une autre extracteuse ici. Du coup, il nous en faut une autre foureuse thermique. Mais donc, pour ça, il me faut du métal. Ça tombe bien. Il y en a plein ici. Ouais, putain. Genre plein. Ah, je déteste ça de perdre des gens parce que je suis CS. Hop, voilà. Non, pas de chance. Hein. Qu'est-ce qu'il fait, genre, il me faudrait une fourreuse thermique sur la pierre aussi, parce que du coup, la pierre, je suis obligée de la faire moi-même. Pourquoi c'est pas vert? Ah, voilà, je n'étais pas assez prêt en fait. Okay. J'ai pas de carburant. Voilà. Tout ça, ça carbure, très bien. Et ben voilà, tout ça, ça fonctionne. Ok, et je voudrais en faire une autre fourreuse thermique pour cette fois-ci, il va manquer la pierre, pour le la pierre justement. Tac. Ah, je sais. Faut que je fasse des trucs pour tuer les bestioles bientôt parce que je passe pas très bien. De ça. Putain. Ouais, je peux pas te. Ouais, non. CCS. CCS. Fourreuse thermique, encore une. Attends, sérieux, putain, il me casse les couilles. Crie pas. Pourquoi ça s'affiche pas que je les ai ramassés? Je peux pas te faire, j'ai pas. Je les ai ramassés. Une fourreuse thermique supplémentaire et ensuite un four en pierre. Ah, c'est bon, j'ai le droit de naissance, c'est parce que t'es là.
Est-ce que t'es mort? Tu te rappelles ou pas? Voilà. Lily. Lily. Où est-ce que tu es mort? Ah, y'a plus assez de carburant là. Je peux pas faire des demi. Ouais, y'a plein de corps d'arc sur toi. Ah, du coup, des demi-paquets, je pense que si. Tu peux diviser en plusieurs paquets. Jeter. Non, je t'ai tard sur rien. Pour en pierre. Faut plus de pierre. Je vais aller miner moi aussi parce que. Putain, ah ouais, c'est de ça merde. Le problème, c'est tant qu'il y a du... des pierres par terre, ça marche pas. Putain, ouais, un coffre. Putain, le gars il peut pas juste attendre deux secondes le temps que je te reste quoi. Moi je devrais pouvoir. Si celle-ci alimente celle-là, il faudrait que je fasse une boucle en fait et que la dernière sorte le charbon. Ah, c'est un poignet, putain. Mais ça veut dire qu'il y en aurait une qui serait pas alimentée. Je crois que là, il n'y a pas de meuble qui aurait une F. Un coffre en bois. Tellement vieux. Ah. On va faire deux fours. Voir comment est-ce qu'on pourrait. Le rock il m'a demandé, il est là qui se prend les bombes. Quoi. Oh, sérieux. Putain, quel... Ah, file droit. File droit pour prendre la moitié, ça roule. C'est le bon de poulet. En plus la patience. Hein. Faire une quête exhaustive sur la raison. Voilà. Il me faut des bras robotisés. Deux. Voilà. Non, pour diviser en deux, ouais, clic droit apparemment. Ouais, tu confirmes, Micmac, bah c'est où? Ah ouais, il y a du charbon là. Donc, du charbon ici. Là aussi. Ah, putain, quel con. Je peux pas changer la cloche. Oh. Oh, ça me crampe ce groupe en bois là. Ah oh, putain, la souffrance quoi. Oh, la vache. Il me reste à faire encore un vraiment four. Vraiment, division là. Faut que j'aille chercher là-bas les cailloux. Les inventaires sont aussi longs qu'on veut, j'ai l'impression. Ah non. Oh, c'est une de course. C'est cool de pouvoir les replacer comme on veut. Par contre, ça c'est cool. Hop. On y pourra. Ah, ok. Il faut plus de foreuses ici, je dirais. Allez, je les pousse. Plus de foreuses thermiques. Toujours plus de foreuses thermiques. But d'un groupe, bande de tarbes. Là. 65. Il y a des groupes, si tu veux que je répète ça, sinon je parle. Je reste sur TS, hein, juste déconnecté. Pendant que tu joues en live. Bah non, je reste. Yeah, plus un à voir. Je vais essayer pour chanter.
Tac. Hey, salut Deathman. Comment on va? Oups, celui-là n'a rien à faire là. Il va encore falloir que je fabrique un petit peu de ça. Voilà. Ah, je peux pas faire des angles. Ou alors il faut que je fasse... Ah si, voilà. Voilà. Parfait. Ensuite, du coup, il faut que je mette du charbon. Là, ça va pas assez vite tout ça. Idéalement, en fait, il faudrait que les machines amènent directement le charbon jusqu'ici. De là à là-bas. Ça serait cool. Il est bien ce site-là, le blog du hacker. Ça serait même classe, en plus d'être cool. J'ai juste une infinité de cailloux. Donc, il me faut 75 de charbon. Il travaille. 50 plaques de cuivre. Ouais, je les ai. Ah non, de cuivre. J'ai pas de cuivre du tout. Je fais pas de cuivre, moi. On fait pas ça, nous, monsieur. Le cuivre. Ah. Ah ouais, j'avais pas fait attention. On va faire deux foreuses, deux fous. Foreuses de four, on va voir. Deux. Alors, si je fais genre 1, 2, raté. On peut faire ça, 1, 2 raté. Comme ça. Après, je fais comme ça. Et c'est quand qu'il neige là dans Paris? Je sais pas, peut-être jamais. Bah non, parce qu'il neigeait à Disney aujourd'hui. Mais il neige pas à Paris, c'est quand même bizarre. Non, c'est possible. Mais c'est quand même bizarre. Hop. Pourquoi on est puni pour les airs? Ouais. On est trop con. Peut-être. Ah! Tu me fais faire des bêtises! J'essaie de me concentrer et j'y arrive pas. Ça roule des semaines. Merci. Je dirai ça après. Pas de problème. Bon, moi j'ai fait manger. Je reviens. J'ai faim. Clac. Ah, c'est moi qui te fais faire des bêtises? Oui. Ah, c'est pour ça que t'as crié? Oui. J'ai pas entendu. T'as pas entendu que j'ai crié? Non. Ouf qu'il y avait le stream. Ouf qu'il y avait, heureusement. La communication dans ce couple est un désastre, mesdames et messieurs. Totalement. Mais j'ai pas du tout écouté ce qu'elle a dit. J'annonce. Enfin si, je t'ai écouté, mais il y a cette chose. Ouais, c'est ça, ouais, moi. Ce que tu dis. En fait, je m'en fous, quoi. Voilà. Ouais, je sais. Franchement. Dis-le franchement. Ouais, on va arrêter de perdre du temps, là. Tu vas arrêter de jouer à, je sais pas quoi, Pokémon, là. Moi? Non, à l'autre là qui m'en a vu sur ton téléphone de merde. Hein? Tu vas être dans le cul toi, ton toutou, tout toutou, tout toutou. Et il me faut encore un... comme ça. Ah mais oui, mais eux aussi il faut leur donner de l'énergie. Oh. C'est terrible. C'est terrible la carence énergétique qui est dans ce pays. Merde, ça va être une musique. Tac. Je crois qu'il n'y en a pas là en fait. Attends. Tac. Pourquoi pas de son? C'est un veil. Tac. Clac. Et pourquoi là ça donne rien? Parce que ça arrive ici. Il faut que je mette un tuyau en plus. Voilà. Et là ça marche. Là ça marche.
Oui, je suis au tutoriel là. Ah, j'ai oublié de désactiver, merde. Ah, je suis au tutoriel. C'est le. C'est la zadiche. Voilà, il me faut 150 plaques de fer. C'est moi où j'ai l'impression qu'ici ça marche mieux que là. Ah non. Ah mais oui, c'est parce qu'à chaque fois j'ai l'impression que ça ouvre un nouveau truc, mais en fait non. Voilà. Bon, j'ai 500 plaques de fer, ça c'est bon. Maintenant il me faut des plaques de cuivre, ça, ça travaille. Et il me faut 75 de charbon, bah ça va être bien. Ah. Pourquoi t'es arrêté toi par exemple? Ah, y a plus de ressources ici, mais faut le dire, je te déplace moi. Si c'est que ça le problème. Genre on fait comme ça et puis on tire un. Comme ça. Ça marche. Ça a l'air. Et donc lui. Je vous mets quoi comme facile? Je lui donne un peu de charbon. Oui, qu'est-ce que lui? Il faudrait que. Il faudrait que j'en mette un de plus. Voilà. C'était ça qui manquait. Allez, les plaques de cuivre. Ça y est, je fais ma quête. J'ai bien travaillé aujourd'hui. Je pense avoir tout ce dont j'ai besoin. Il est temps de passer à autre chose. Hey, salut DigiPox, bienvenue. Je crois qu'il y a 4 niveaux de tutoriel. Zen, je te fais acheter des jeux. Mais c'est parce que parce qu'on m'offre des jeux que je découvre vachement. Ça ira mieux quand j'aurai l'électricité, j'en doute pas. Les fours peuvent transformer la pierre en briques et les plaques de fer en acier. Il faut la technologie acier dans la recherche. Très bien. Attends. Les deux côtés du tapis roulant. Les côtés gauche. Et droite, des tapis roulants peuvent être utilisés indépendamment pour différents matériaux. Les bras robotisés posent les matériaux du côté le plus éloigné. D'accord. Ce qui fait que je peux faire venir. Ah merde, ça une validation. Ils prennent ceux qui sont le plus proches, je suppose. Oui, c'est ça. Ils prennent ceux qui sont le plus proches. Ok. Et il le pose de l'autre côté. Et comme il y a deux côtés sur un tapis, je peux faire varier deux matériaux différents. Enfin, arriver deux matériaux différents. Les fours en acier peuvent réutiliser les anciens fours en pierre. Hein? Pour être fabriqués. Également sur les machines d'assemblage, les tapis roulants, les boîtes à reconstruire permet aussi de changer la direction d'un tapis roulant. Ah oui, ça j'ai vu ça. Bouton gauche de la souris sur un poteau électrique affiche les statistiques du réseau électrique auquel il est connecté. Oula. Ok. Appuyez sur Shift plus bouton gauche. Déplacera toute la pile. Effectuer un déplacement. Oui, bon, ça va. Ah, mais ça, c'est tous les trucs et astuces du monde, ça. Contrôle plus bouton, déplacera. Ok. Contrôle plus bouton gauche. La barre d'action dispose de raccourcis. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5 et Shift plus 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Mais c'est hyper intéressant tous ces trucs-là, mais je vais peut-être pas passer un quart d'heure à lire toutes les astuces du monde. Libérez le curseur. A déplace la pile d'objets sur le curseur en direction de votre inventaire.
Ah, c'est le bouton que je cherchais tout à l'heure, ça. D'accord. Très bien. Alt affiche des informations détaillées. Ouais. Façon la plus rapide de construire des choses en ligne comme des tapis roulants et de maintenir le bouton gauche de la souris à l'endroit où vous voulez construire et de courir dans la direction. Oui, bon, ça va. Façon la plus rapide de construire une ligne électrique et de maintenir le bouton gauche de la souris tout en se déplaçant. Très bien. Utiliser le bouton central de la souris sur la barre d'action vous permet de réserver un emplacement à un objet particulier. Hein? Bouton central de la souris sur la barre d'action. Aucun autre objet ne pourra être placé dedans et l'objet du type sera placé en priorité à cet endroit. Ok, j'ai compris. Ah, copier-coller. Hein? Alors là, ça y est, on est arrivé dans des trucs que je peux pas gérer. Ok, très bien. Tu vas utiliser certains équipements de notre vaisseau. Où est-ce qu'il est le vaisseau? Si j'avais suffisamment de... Je pourrais construire un radar pour localiser le site du crash. Ah, j'ai pratiquement de quoi générer de l'électricité. Il me manque juste l'eau venant du lac. Construisez une pompe côtière connectée au réseau, aux chaudières du bord du lac. Donc ça, c'est les chaudières. Il me faut une pompe côtière. Qu'est-ce que c'est ça? Tic. Là, ça a l'air d'être connecté. Pouf! Merci, Micmac. C'est moi ou ConceptBot, il spam un peu? Un petit peu, ouais. Pourtant, j'ai mis 6000 secondes normalement entre deux trucs, mais j'ai l'impression qu'il envoie sa commande à chaque fois. Elle est trop froide pour produire de l'électricité. Déposer du combustible dans la chaudière. Très bien. Bonjour. Ah, ça c'est la turbine, c'est pas la chaudière. Ça c'est un poteau électrique. C'est là les chaudières. Tac. Tac. La turbine à vapeur produit l'électricité. Supérieure lorsque l'eau est à 100 degrés. Très bien. Il y a plusieurs manières d'arranger la turbine à vapeur. Comme cela. Ou comme ceci. D'accord. Relier la fourreuse électrique à la turbine de vapeur à l'aide de poteaux électriques. J'en ai. Est-ce que j'ai besoin que ça soit... Merde. C'est des fourreuses électriques que j'ai posées. C'est pas des turbines. C'est pas des poteaux électriques. Poteaux électriques... Fourreuse électrique, non. Petit poteau électrique, il me faut du bois. Mais j'ai quand même l'impression que ça fait pas 600 secondes ou 1600 secondes à chaque fois entre deux scies. Je me rends pas compte. Le temps passe vite peut-être. Ah ouais, le temps passe vite. Voilà. Alors maintenant, petit poteau électrique. Ça là, est-ce que ça marche? Pas du tout. Fabriquer des lampadaires peut s'avérer utile. D'accord, mais attends, j'arrive déjà pas à relier ma machine à mon poteau électrique. Bon, déjà, on va repartir par là. Ah. Comment je fais? Je l'ai collé, hein. Ah, c'était pas assez collé. D'accord, très bien. Tout fonctionne, c'était de la rigolade. Ah, saloperie.
Il va falloir d'abord produire quelques plaques de fer et de cuivre. Utilisez-la. Je suppose que c'est une bêta, j'espère, parce qu'il y a encore pas mal de trucs. Pour miner des ressources, c'est beaucoup plus rapide que d'utiliser la foreuse thermique. Mining the real. Gardez un flux constant de charbon pour vos chaudières, sans quoi vous n'aurez plus d'électricité. Et oui. Mais est-ce que... bras robotisés... Il faudrait... Est-ce que ce serait pas plus simple d'emmener directement le charbon jusqu'aux chaudières? Par exemple, si on fait... 3... plus... un truc qui fait genre... Attends. Voilà. Ah, c'est pas du bon côté. C'est tout pourri. Alors attends. Pause. Comment on met pause? Je ne sais pas. Parce que du coup... bien embêté, et ben il faut que je le fasse venir de l'autre sens. Alors on va faire ça. Voilà. Et maintenant il leur faut l'électricité, donc ça tombe bien. Je vais leur mettre un poteau électrique ici. Voilà. J'ai pas l'impression que ça marche des masses. Si. Non. Hein. Mais lui, c'est bon, il a l'électricité. Pourquoi il met pas le... Pourquoi? Là, normalement, le charbon, les trucs les attrape et les foutent là-dedans. Mais ça veut pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un truc qui n'avance plus. Je suis bloquée. La chaudière met du temps à consommer du charbon. Ah, donc il faut faire d'autres chaudières. Ah, si, si, ça va faire du coup là. Eh! Arrêtez de taper sur mes trucs là. Je vais me dévouer un truc. Chaudière. Trois chaudières, on va faire. Ah non, merde, c'était pas des chaudières qu'il fallait faire. C'est ça là, une turbine à vapeur. Non? Ou une chaudière? Parce que là, ça marche pas, là. On est d'accord, c'est en rouge. C'est mauvais signe. C'est signe que ça marche pas quand même. Non. Si, hein. Bon, faut faire des plaques de fer et des plaques de cuivre. On va aller faire ça déjà, hein. On va laisser le reste fonctionner. En attendant, ça a l'air de marcher, donc on va pas se casser la tête. Des foreuses. Pourquoi? Parce qu'il faut faire des plaques de fer. Du coup, ce qui serait pas mal, ça serait de ramener ça brava pour avoir droit à du charbon. Pour alimenter directement mes foreuses. Genre, si je fais une foreuse comme ça. Votre source attendue. Là, 700.
là ça fort du machin. Alors, pour que ça soit intéressant, il faut que ça sorte directement dans un four. Ça, je peux le faire, je crois, de ce que j'ai vu. Clac. Tac. Et le four, lui, il me les crache où, les trucs? Il les garde sur lui. Parfait, très bien. Et alors, du coup, ce qui serait top, ça serait d'avoir un bras robotisé qui ramènerait directement à la machine le charbon dont elle a besoin. Et du coup, pour ça, il faut emmener deux là. Ah, ça marche pas. On peut pas mettre en pause pour construire tranquillou là. C'est trop long à construire. Merde, je suis pas dans le bon sens. N'a plus, c'est ça? Si, il y en a encore. Alors, du coup, on va contourner. On contourne les poteaux électriques. C'est tout dans l'optimisation, Kira. Ne vous inquiétez pas, tout est optimal. Surtout pas de panique. Allez, bim! Voilà. Ensuite, un poteau électrique. Et lui, normalement, il prend là et bim, il met là, non? Ça devrait faire ça, si 16. J'ai l'impression que ça marche pas. Il les prend bien au plus loin. Non, il les prend au plus près et les pose au plus loin, c'est ça, hein, qu'ils m'ont dit. J'ai un doute. Si je fais... Attends. Attends. Arrête. On va faire un test. Est-ce que j'ai encore une extracteuse? Ah. Une foreuse thermique. Il me faut des plaques en fer et des engrenages. Alors les plaques en fer, je vais les avoir là-bas. Il me faut de l'électricité. Ça, c'est pas un problème, c'est trop facile. Merde, je suis en train d'en construire. C'est pas grave. Toc. On n'est pas encore dans l'optimisation, hein. Pour l'instant, on est dans l'apprentissage pur et dur du truc. Voilà. Ensuite, la foreuse. Donc si... Tes machines en électricité, elles n'ont pas besoin de charbon. Aïe! Ah! Arrêtez-vous. Je vais mourir. Bon, alors on peut recommencer. Machines en électricité, donc elles n'ont pas besoin de ça. Mais oui! Mais alors pourquoi? Qui a besoin de charbon? Il y a que la centrale là-bas qui a besoin de charbon. Tout le reste, je peux le faire à l'électricité. C'est cool, ça. Ça sert à rien de se prendre la tête en fait. Pause non active. Il les prend au dernier moment quand il reste un charbon dans la foreuse. D'accord.
Ok. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est décaler mes bras mécaniques qui sont là, pour les mettre là-haut. Tac. Avec un tuyau qui l'emmène. Et alors, attention, il faut que ça vienne du bon endroit. On verra après. Une pompe. Pompe côtière. Voilà. Voilà. Besoin de charbon. Alors là, je mets le charbon moi-même. Pour l'instant. En attendant. Ça, j'ai pas compris, mais c'est pas grave. Hop. Voilà. Ensuite, il faut que je mette de l'électricité. Du coup, il faut que j'aille couper du bois. Limite le tour de la planète pour arriver à un endroit. Ah oui, mais attends, c'est le début, hein. Je fais le tutoriel, là, gosse. On va voir si j'arrive à optimiser après. Pour l'instant, je me sens pas du tout à l'aise avec l'optimisation. J'étais plus à l'aise sur Big Pharma que sur ça. Mais parce que je le trouve pas très... Peut-être pas très clair, je sais pas. C'est pas grave. On va y arriver. Donc, relier la foreuse électrique. Pim, elle est reliée là. Tac. Ah oui, il faut que je me rapproche pour pouvoir construire. Non mais, pas sur le tapis roulant. De préférence. Voilà. Et ensuite, imaginons qu'on mette ça ici. Quelques plaques de fer et plaques de cuivre. Ah oui, c'est vrai. Tac. Donc là, elles sont en route. Et ensuite, avec ça, voilà. Bon, là, il y a un flux constant de charbon, c'est cool. Plaque de fer. C'est encore en bêta. Si tu es cet après-midi, spliff, guy. Bon, t'as fini par y arriver quand même ou t'as galéré autant que moi? Foreuse thermique. Et un four. J'ai pas de pierre. J'ai pas de pierre. Ah mais j'en ai peut-être déjà des fours. Ouais, j'en ai déjà. C'est cool. Donc, la foreuse thermique. Du coup, qui fait comme ça et qui débouche dans le four. Ici. Voilà. Et on va mettre de l'électricité pour... tout ça. Mais ça ne marche pas. Donc la foreuse thermique ne marche pas à l'électricité. Oh, la fille qui a du mal. Parce que là, il y a de l'électricité. Donc, la foreuse thermique ne marche pas à l'électricité. Moralité, il faut quand même que j'amène du charbon jusqu'à la foreuse thermique. Donc, pour amener du charbon, il faut que je tire du charbon comme ça et du charbon comme ça. De là et de là. Comme ça. Sauf que là, il faut falloir que je fasse un tour. Tac. Hop. On y va. Ça passe pas. J'ai refait la même erreur que tout à l'heure. Du coup. Hop. Hop. C'est pas grave, on contourne. On contourne les problèmes chez moi. Donc ça, ça fonctionne à l'électricité, mais ça, ça fonctionne au charbon. Très
Train Simulator. Mais oui, oui, il y a un système de petits trains, j'ai vu ça. Donc, encore plus loin. Tac. Ensuite. On va aller jusqu'au bout, hein, parce que des fois qu'on rajoute des trucs après. Tac. J'en ai plus. Je suis allée trop loin. Je suis allée trop loin. Et là, par contre, il me faut de l'électricité. Donc, avec le poteau électrique, je viens ramener de l'électricité jusque là. Voilà. Sauf que là, celui-là, il est pas bien. Attends. Arrête, lâche-moi. Tac. Il faudrait que je le mette plutôt ici. Voilà. Comme ça, là, je suis tranquille. Il faut que j'avance encore mes machins. Donc. Tac. Bon, pour l'instant, on va lui mettre du charbon. En attendant de trouver une solution. Il me reste deux fourreuses électriques. Hein ? Non. Si. Non, c'est des bras. Ah oui, fourreuse électrique. Effectivement. Du coup, j'utilise ça pour faire du cuivre, par exemple. Fourreuse électrique. Fourreuse électrique, c'est ça. Hein. Mais c'est pas un truc qui est un. Qui, hein, voilà. Ça marche pas. Fourreuse électrique. 2K par là. Et après la fourreuse électrique, un four. Là où ça sort. Ça sort par où d'une fourreuse? Par le milieu. Donc si je mets un four là, normalement, c'est good. Mais ce four a besoin de charbon. Donc on va aller en ramasser à la main pour l'instant. Là. L'électricité, on va lui en amener. Ça, c'est pas un problème. Clac. Dis bim. Allez, ça marche. Et bim, ça va faire des plaques de cuivre. Bah voilà! Impeccable! Donc des plaques de cuivre 75, des plaques de cuivre. Et il faut que je fasse un fusil, c'est ça? Lampadaire. Ah oui, des lampadaires aussi. Tige d'acier, circuit électrique, câble en cuivre. Bon, c'est pas pour tout de suite ça. Bah voilà, ça y est, ça marche là pour de bon. Donc j'ai encore de quoi faire une fourreuse électrique que je mettrai bien avec une vue sur mon four. Tac. Et vue sur un four comme ça. Voilà. Par contre, il faut que je lui mette un bras mécanique. Donc. Il me faut des rails. Voilà. De ces rails, je les mets comme ça. Allez, ça marche. Ensuite, il me faut un bras. Oui, un fusil d'assaut, c'est vrai. On va s'en occuper après. Quoi ? Il n'y a pas d'électricité. Il n'a point d'électricité ! Voilà. Ça marche, ma parole ! C'est cool, ça. Ah !
C'est cool quand ça marche. Et il faudrait que je fasse la même chose ici. Donc, un fusil d'assaut. Aucune idée d'où ça se trouve, moi, le fusil d'assaut. Et des lampadaires aussi. Lampadaires. Voilà. Je sais pas comment on fait un fusil d'assaut. Salut la pampa! Ça va pas assez vite. Bon, bref. Lampadaire. Mettons qu'on en mette un ici. Voilà. Et voilà. Voilà. Comment est-ce qu'on va dans les... Par exemple, les recherches. Ça, je sais pas. On entend je sais pas quoi en sculptant dans la glace derrière. En musique, ce qu'on entend, c'est Comet qui fait joujou avec son... Pardon. C'est une vidéo, la musique était trop forte. Faithful, c'est un jeu de gestion et de tower defense, si j'ai bien suivi. Enfin, tower defense. Disons qu'il y a des vagues de monstres qui t'attaquent. Ce qui revient à du tower defense. Mais j'aimerais bien soit ralentir la vitesse du jeu... Là, fusil d'assaut. Got it. Parfait. Il suffisait d'ouvrir les yeux, en fait. Hein. Tout simplement. Vous pouvez équiper plusieurs... Ouais. Ok. D'accord. Vous pouvez changer l'arme active en utilisant A. Ok. Hein. T'as faim ? Non. Je viens de goûter. Et l'arme active doit avoir des munitions. Voilà. Ici, il me manque un bras mécanique. Tac. Voilà. Toi, t'as faim, Olivier ? Très bien. Ensuite. Tu veux quoi ? À quoi ? Je peux fabriquer encore une foreuse électrique. Pour faire plus vite, par exemple, quoi ? Qu'est-ce que je pourrais faire plus vite avec une foreuse électrique ? Parce que là, niveau charbon, je suis à l'aise quand même. C'est quoi ça ? Je peux pas trop se plaindre. J'entends mal en fait. Tu veux un gros bout géant, j'entends. Moi. Ah, un gros bout de viande. Et bah. On va faire une foreuse électrique. Des verres de toi. Allez, salut. Non, j'ai fait, je reviens. Et des munitions. Ça pourrait peut-être être pas idiot de faire des munitions. Voilà. Et que je vais tirer avec un fusil d'assaut. Ah ouais, c'est mieux quand même. Hey, salut As de Pique. Pour Isaac, ça ne m'étonne pas de te voir ici. Pour Don't Star. Ah oui, pour Don't Star, ouais. Effectivement. Salut Goyam, salut Diabu. T, c'est un système de recherche. Non, bah, je dois être encore dans le tuto, il ne va pas y avoir de recherche. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit aux recherches. Donc, admettons qu'ici, genre, ça, c'est bon, les plaques de cuivre, c'est réglé. On va faire... Donc... Ça, c'est électrique. Donc concrètement, ça n'a pas besoin de charbon. Mais il faut que je ramène du charbon là, de toute façon, pour le four. Donc, on va en ramener à côté aussi, pour l'autre four. Parce qu'on va mettre deux fours côte à côte. On va en mettre un là. Tac. Du coup, avec un bras. Tac. Et ici, on va mettre un bras. Tac. Et un poteau électrique. Pour alimenter tout ça. Ici. Parce que entre les deux... Oh, le réseau électrique. Par pitié, ne faites pas venir un électricien. Je vais avoir des petits problèmes après.
prends ça, j'ai pas le droit de faire des... Mais si. J'ai pas le droit de faire des croisements doubles. Oh, mais comment je fais alors? C'est pas drôle ça. Bon, ceci dit, il y a de la marge. Mais c'est pas drôle. Une sac à carburant. Ah, un bras qui change de tapis. Mais il pourra pas prendre de ce côté-là, le bras. Un répartiteur pour faire des séparations. Ça vient avec les recherches. J'ai encore perdu pour l'instant. Non, j'y avais pas encore touché. Mais il est passé en promotion. Enfin, il a été mis en exergue récemment par Steam aussi. Donc, je l'avais, j'avais vu un, j'avais jeté un coup d'œil. Et puis, Goyom m'en a reparlé. Blacky aussi, je crois. Et puis, finalement, Gortz me l'a offert. Je ne pourrais pas les contenir seul. Je devrais faire une mitrailleuse automatique. Je veux faire ça. C'est où, mitrailleuse automatique? Non, ah, ça consomme de l'électricité. Mitrailleuse automatique, du fer et de l'engrenage, donc beaucoup de fer. J'ai tout ce qui est nécessaire pour construire des radars. Consomme beaucoup d'électricité. Il est possible que les ennemis s'en prennent à vos radars. Mitrailleuse automatique, très bien. On va déjà faire les mitrailleuses. Parce que je suis comme ça, moi. Et du coup, machine d'assemblage, c'est quoi? D'accord. Le radar, il est où? Turbine à vapeur, chaudière. Moi, j'ai pas trop compris cette histoire là-bas, du fait qu'il fallait les faire en... Enfin, je sais pas trop comment je vais me démerder, mais c'est pas grave. On va le mettre au milieu, le radar. Comme ça, on va tout défendre en même temps. La mitrailleuse, elle a besoin d'être électrifiée. Électrifiée. Elle a besoin de munitions, en tout cas, j'ai l'impression. Je sais pas quelle est la portée de tir, en fait. On va faire comme ça. Pour l'instant, ils arrivent que de là-haut, je crois. On va en mettre un de là, au cas où ça passe. Voilà. J'en ai encore une. On va la mettre là. Encore ? Mais j'arrête pas de faire des mitrailleuses, j'en ai fait trop. J'en ai fait 10 fois trop. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors. Surtout que ça c'est des radars. Attends, mitrailleuse automatique. Non, c'est bon, mitrailleuse automatique. Radar. Voilà. Voilà, deux radars. J'ai encore une mitrailleuse automatique qui va venir là. Voilà. Et il faut que je passe des munitions pour tout ça. Ah, mais il n'y a pas besoin de cuivre. À quoi ça sert le cuivre, du coup? Alors, on va mettre des munitions d'abord dans celle du haut, parce que j'ai l'impression qu'ils viennent par le nord, ces trucs-là. J'en garde. Voilà, j'en garde pour moi. Tac. Ah. Bon, ça a l'air de marcher. Contrôle clic sur le four pour chauffer, chauffer directement les plaques. Contrôle. Ah oui, je fais shift depuis tout à l'heure. Contrôle clic. Ouh, merci. Effectivement, ça va plus vite.